Merci aux gens de l'Outaouais, de l'Estrie qui se joignent à nous et tous ceux qui attrapent cette deuxième heure d'émission. Vous êtes au bon endroit. On va parler maintenant de langage corporel. Vous savez qu'on le dit souvent, il y a des signes qui ne mentent pas. Et quand on, des fois, quand on s'y attarde, on peut se rendre compte que notre corps dit beaucoup de choses. On peut avoir la bouche fermée. Ben, moi, je l'ai souvent ouverte. Ouais. <laughs> On peut avoir la bouche fermée mais le corps lui parle le corps dit beaucoup de choses et même quand on veut pas dire on dit sans trop euh, sans en être conscient finalement c'est ce qu'on appelle depuis quelques années ça s'est développé comme une espèce de de science presque c'est la synergologie c'est-à-dire le langage inconscient du corps il euh, y a des spécialistes qui sont devenus très très bons à analyser votre langage corporel dont Annabelle Boyer qui est Bonjour. synergologue merci beaucoup d'être là Annabelle merci. Bernard Motulski est titulaire de la chaire de relations publiques et communication Marqueterie Malika, merci Bernard d'être là. Et là, on voulait parler de euh, de ces signes justement que vous nous envoyez les les, les politiciens pendant. Bon, évidemment, on ne parle pas que de ça, mais puisqu'on on est en jour deux de campagne électorale, on se disait que c'était un beau clin d'oeil à faire que d'analyser <laughs> un peu ces, euh, ces, ces multiples signes. Il y en a beaucoup. On en fait tous d'ailleurs dans ouais. notre vie de tous les jours. On, on s'est dit les auditeurs aussi dans leur que ça soit au bureau, dans notre vie personnelle, on dit beaucoup de choses sans vouloir le faire, Annabelle. Et c'est inévitable parce qu'inévitablement, le corps continue de parler et il y a énormément de gestes, de postures, de démangeaisons, de micro-expressions que l'on fait et, de, et on les fait de façon... Inconsciente, on ne sent pas la contraction musculaire, mais ça n'empêche pas qu'elle a lieu quand même, et ça n'empêche pas qu'on a des gestes quand même. Donc, par exemple, moi, je suis capable de lever un sourcil, je suis pas capable consciemment de lever l'autre sourcil tout seul. Pourtant, quand je parle avec mon conjoint, il y a des fois où il va dire quelque chose qui me dérange, et le sourcil va monter quand même. Je ne le sens pas, mm -hmm. mais il y a quand même une réaction physiologique. Évidemment, ben, on a plein de gestes comme ça qu'on va faire et on s'en rend pas compte. Et souvent, quand j'analyse le langage corporel de quelqu'un, là. Je je lui demande pourquoi est-ce que tu es en train de te gratter en ce moment et la personne n'a même pas conscience qu'elle était en train de se gratter parce que souvent on est concentré sur notre discours on est concentré dans notre tête à ce qu'on voudrait répliquer à l'autre personne et à ce moment-là on n'est pas vraiment à l'écoute de notre propre corps quels sont les signes qui sont les plus évidents ben, en fait il y en a plusieurs évidemment les gens connaissent bien euh, on, on remarque bien disons le croisement de bras le croisement de jambes c'est mmh. des choses qu'on va voir rapidement les gens remarquent assez rapidement quand il y a une démangeaison au niveau du visage chez l'autre personne. Mais ce qui va être intéressant à observer... Les gens, qui... Oui, les <laughs> gens, touchent tout le temps le nez, là. Tu dis, voyons, coudonc! Les démangeaisons du nez sont en effet très quoi, particulières. Mais en fait, ça dépend où est-ce que ça survient. Par exemple, moi, quand mon conjoint me raconte une anecdote et que je n'aime pas ce qu'il me raconte, ça me pue au nez. Je veux pincer mon nez, j'y vais le frotter beaucoup en dessous parce que je n'aime pas du tout l'anecdote qu'il est en train ça pour de vrai, me raconter oh, tout à fait. Mon conjoint est crampé à chaque fois, il dit "Oh, tu l'as pas aimé cela." Donc, il y a des, c'est des réactions drôle, qui ça. sont, qui sont tout à fait réflexes, qui sont instinctives. Je ne le contrôle pas. Si j'aime pas ce qu'il est en train de me raconter, je n'aime pas entendre ce qu'il me dit, c'est sûr que je vais me gratter l'oreille. Et pourtant, on s'entend, là, j'ai des années d'expérience à analyser le langage corporel. Je pourrais le contrôler, mais je peux pas. Mais tu te ça... rends compte toi-même, ça doit être pénible, ça, toute la journée, <laughs> tu te vois toi-même. Tu te voyons, je viens de me gratter. Qu'est-ce que j'ai qui m'énerve? C'est quand je fais, par exemple, un Facebook Live, je suis en ouais. direct et là, je suis en train d'expliquer quelque chose, et tout d'un coup, je me gratte la tête. Et là, Là, je viens de prendre conscience que je viens de me gratter. Et la je tête, qu'est-ce que ça veut dire, le grattage de que, tête? Que je trouve la situation compliquée. Je trouve ah. que ce que je suis en train de dire, il faut que je trouve une façon de le simplifier parce que c'est trop compliqué. Okay. Mais je me rends compte que je suis en train de me gratter. Je suis dans un live, la face me change. Je me vois sur ma caméra. Et là, je, je, je dois l'expliquer aux gens parce qu'évidemment, ça paraît dans ma face. Ouais. Bernard, qui écoute avec beaucoup d'intérêt. Évidemment, <laughs> euh, Bernard qui est un spécialiste de la communication marketing. Un peu différent quand même de la synergologie. Ouais, tout à fait. Nous, en fait, ce, qu ce, ce sur quoi on travaille, ouais. on essaye de faire justement en sorte que les gens n'en disent pas trop qu'ils ne veulent pas dire. Parce qu'il y, y a un bon vieux principe en communication hein, c'est qu'on ne peut pas ne pas communiquer. Alors, surtout si vous voulez pas communiquer, et c'est une des premières choses qu'on dit aux gens qui vont par exemple passer dans les médias c'est si vous n'êtes pas naturel, si vous essayez de cacher quelque mm -hmm. chose, vous êtes sûr que c'est ça qui va paraître, puis ça va paraître que vous êtes en train de jouer un personnage ou un rôle qui n'est pas le vôtre. Ouais. Donc, il faut être. Le plus spontané, naturel possible, sans pour autant être niaiseux et dire n'importe quoi. Donc, le défi, c'est la préparation, d'être préparé, d'avoir des choses simples, claires à dire et d'apprendre à être à l'aise, d'apprendre à se détendre. Mais j'ai un exemple concret parce que j'y pensais ce matin en écoutant l'entrevue de Gérard Deltel avec mon collègue Paul Arquin Paul, qui a demandé trois, quatre fois la même question. Et Gérard, qui est un ancien journaliste pourtant, euh, maîtrisait tout à fait l'art de pas répondre à la question, à tel point que Paul il a dit, voyons, vous répondez pas, c'est simple pourtant, oui, non, euh, est-ce qu'il y a trop d'immigrants, est-ce euh, qu'on accueille trop d'immigrants? Gérard Deltel n'a jamais dit ni oui, ni non. Puis on peut comprendre que ça peut être une question embarrassante, mais en même temps, pourquoi? Il y a ça, là, pourquoi? Ça, faudrait quand même... Ça, ça va être long, un hein, mois, là, si tout le monde se met à pas répondre aux questions. Ben, là encore, ce qu'on dit, c'est, vous pouvez ne pas répondre, mais vous pouvez expliquer pourquoi vous ne répondez pas. Et oui. c'est souvent beaucoup plus facile à tenir aussi. C'est, c'est pas de dire, je, je sais pas, ou je, je veux pas vous le dire, ou je... Je, Moi, mais je, je sais pas. C'est une réponse. Ça oui. se peut qu'on sache pas là. Ouais, mais ce qu'on s'attend, surtout si vous allez donner une entrevue, c'est que vous expliquiez pourquoi vous savez pas. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous manque ouais, comme on information. Peut mais je veux dire, ça peut être une réponse. C'est pas de dire, je ben, je sais pas là. Mais c'est de dire, écoutez, en ce moment j'ai pas la réponse. Je peux la trouver toutefois. C'est une bonne question. Je vais. Je pense qu'il y a des moyens de communiquer. Euh, Est-ce qu'on s'attend à ce que tout le monde ait une réponse à chacun des, des, des problèmes de la vie? Moi, je ne m'attends pas à ça. Là. Non, mais souvent, c'est drôle parce qu'en période d'élection, quand un, un candidat veut pas répondre puis qu'il essaie de s'en sortir, une des choses qu'on va voir, si le candidat est assis ou il est debout, ouais. il va se balancer sur sa chaise. OK s'il est debout, il va se balancer aussi les fesses parce que là il y a une incertitude et il ne sait pas quelle position prendre, il sait pas comment s'en sortir. Donc il va se balancer comme ça et les mains vont s'agripper à quelque chose. Ils vont s'agripper au lutrin plus fortement, ils vont s'agripper au crayon plus fortement, ils vont s'agripper à quelque chose pour, ré... pour se calmer, se réconforter. S'il se détend, il va répondre. Il reste crispé, il répondra pas. C'est ça, c'est ça. Et là moment-là, il faut trouver hein. une autre question pour réussir à lui faire dire, mais il faut, faut essayer de, de créer un espace d'authenticité. Ce que, ce que tu décris, Isabelle, Bolarcan lui a dit, oui, mais répondez oui ou non. Donc, il essayait de le pousser à donner une réponse. Ouais. Et c'est en effet ce qu'il faut faire pour réussir à avoir une réponse dans ce temps-là. Mm -hmm. Mais si la personne dans sa tête, elle ne veut pas répondre, elle va se fermer. Assez, assez rapidement. Et là, la bouche va se contracter, les lèvres vont rentrer vers l'intérieur il refuse de parler. Mm -hmm. ben, ce qu'on dit aussi, c'est ouais. que ne pas répondre, il y a des façons de ne pas répondre oui. et c'est de partir aussi. Vous pouvez dire que c'est une excellente question, mais malheureusement, pour l'instant, je ne suis pas en mesure de vous répondre. Mais ouais. ceci dit, le plus important, c'est de penser. Et là, vous parlez. Revenir avec son message. Ouais. Ouais. Et ouais, et euh, mais c'est sûr qu'il y a un Paul Arcand, il vous laissera pour faire. Ouais. où Ou il va vous laisser faire deux, trois fois. Là, on se souvient d'une entrevue avec Mélanie Joly il y a, il y a, il y a quelques <laughs> mois qui était fameuse pour ça. Alors là, ça devient un art. Ouais. Mais là, on est plus dans un... Moi, j'aime ça parler un peu d'une danse. Oui. Hein? C'est les deux qui se promènent ensemble. Et c'est ça qui fait une entrevue intéressante. Oui. Que, il ne faut pas que ce soit uniquement je le pousse l'autre dans ses retranchements et puis là, ah, il ouais. finit par céder. Mais on revient au langage corporel. Là. On a vu, euh, je voyais justement, je regardais à la télé tout à l'heure, Gabriel Nadeau-Dubois. Gabriel Nadeau-Dubois parle beaucoup avec oui. des grands gestes amplifiés. Oui. Il est très, très, très. Euh, c'est très grandiose. C'est gros, 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 gros. Ça, c'est ce qu'on appelle une qu stratégie. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est une stratégie de communication du conquérant. Donc, il veut absolument nous convaincre. Et plus il veut nous convaincre, plus les gestes sont grands. Pour vous faire une analogie, rappelez-vous le pêcheur qui vous dit qu'il a, qu a attrapé une truite grande de même. Oh, plus bon. il veut nous convaincre que la truite est importante, plus la truite grandit et plus ses mains vont s'élargir pour nous convaincre que la truite était grande. Donc, plus on veut absolument convaincre quand on est en stratégie de conquérant, plus les gestes vont être amples et il va y avoir plus de gestes justement pour venir appuyer le discours. Vous disiez tout à l'heure, oui euh, Bernard. Il ben, y, y a aussi, pour moi, l'élément sans doute le premier. Vous me direz si vous êtes d'accord <laughs> avec ça, mais c'est le regard. Oui. C'est à travers le regard super, aussi ouais. que l'on d'abord si quelqu'un vous regarde regarde la caméra vous lui faites confiance un, un regard qui se promène vous savez pas où aller euh, on, on a l'impression qu'on est en train de nous raconter des histoires en tout cas qu'on n'a pas quelqu'un de, de franc devant nous c'est d'ailleurs un des défis vous savez, quand vous regardez quelqu'un qui vous livre un, un discours s'il passe son temps à regarder sa feuille, oui. ah ouais, ça va être ça. plate. Ouais. Donc, ce que les gens apprennent, pratiquent, ils peuvent pas forcément le mémoriser, mais c'est acheter un coup d'œil de temps en mm -hmm. temps pour se rappeler un point, mais de regarder, de fixer, pour être capable de passer de, 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 du sens. D'avoir l'air vrai. D'avoir l'air vrai, que ce soit vraiment la personne qui, qui parle. C'est un peu la même chose avec les, ce qu'on qu appelle les cassettes. Quelqu'un qui va vous sortir un oui. message qu'il a appris par cœur, euh, il est coincé parce qu'il pourra pas dire d'autres choses, pourra pas en sortir. Et là, si vous le relancez, c'est là où ça va commencer à mal aller. Soit il va répéter la même chose, soit il va donner des signes d'inconfort et qui sont uniquement le fait que je ne sais pas quoi dire. C'est un il peu là pas où on dire. reconnaît les. les, les... Les vrais menteurs, là, ceux qui vous mentent honteusement c'est ceux qui vous racontent pas tout à fait la même histoire. Parce que le, le menteur peut être mêlé dans ses mensonges, oui. hein, Annabelle? Oui, ben en fait, généralement, les menteurs ont de la difficulté à se souvenir du mensonge qu'ils ont raconté. Donc, soyez très attentifs aux propos et posez des questions. Dix minutes plus tard, sur exactement la même chose, mais posez la question un peu différemment et il va avoir de la difficulté à se souvenir de ce qu'il vous a raconté. Mm -hmm. Puis Essayez de lui demander de raconter son histoire à l'envers, en partant de la fin. Si on n'a pas vécu, jamais puis, essayé ça. Dans vous le... essayerez ça. Si <laughs> ouais. vous n'avez pas vécu, par exemple, un dîner au restaurant avec quelqu'un, mm. vous vous avez inventé ce dîner-là, mais vous vous serez pas capable de le raconter à l'envers parce que votre cerveau et votre corps ne l'ont pas, pas vécu. mais ben oui. Alors à l'envers, le menteur c'est sûr qu'il se trompe. Alors que quand on l'a déjà vécu, on est capable de le raconter. À ça ça vaut avec les conjoints aussi sur lesquels on a des <laughs> doutes hein, pour répondre à la question de certains qui m'écrivent. Il euh, y a Justin qui dit moi j'aimerais vraiment ça me faire analyser. Bon un client pour Annabelle. <laughs> les gens disent que je suis bon comédien et que quand j'essaie de faire croire quelque chose à quelqu'un pour blaguer que je suis très convaincant. Je me demande si une experte serait capable de me démasquer. En fait, dans ces situations-là, parce que moi, ça m'arrive souvent quand je vais dans une émission de télé, puis là, les ouais. gens essaient de me coincer, puis là, ils me racontent un, une vérité, puis un mensonge, puis il faut, faut que je dise là, là, on the spot, c'est lequel le mensonge. En fait, quand on veut déceler un mensonge, il faut identifier d'abord et avant tout quelle est la stratégie de communication que la personne a utilisée. Est-ce que c'est un conquérant comme Gabriel Nano-Dubois? Est-ce que c'est un vigilant? quelqu'un qui a tellement peur de se faire prendre qui veut surtout oh. pas être découvert le, le vigilant il bouge presque pas et lui il est difficile à déceler parce que justement il y a très peu de gestes très peu d'amplitude très peu de changement de posture donc lui il va vous surveiller il y a peu de gestes à regarder le syntonique c'est le plus difficile à déceler syntonique un syntonique c'est le caméléon c'est celui qui va se mouler à vous aujourd'hui vous dites blanc il va dire blanc comme vous il est tellement d'accord avec vous il se retrouve avec quelqu'un d'autre, l'autre personne dit noir, puis il est tout à fait d'accord avec lui aussi. Donc, il s'est moulé à l'un ou à l'autre pour faire plaisir, pour pas partir de chicane, pour faire partie de la gang. Donc, c'est un super adaptatif. Le syntonique est plus difficile à déceler. Mais quand on sait à l'avance, quand on regarde la personne, puis qu'on dit OK, lui, il bouge beaucoup, OK, j'ai affaire à un conquérant. Un conquérant, quand il ment, il bouge encore plus. Mm -hmm. C'est le super acteur. Il va, il va pousser les gestes plus loin, plus haut, plus de gestes. Avec Justin, vous pourriez le poignier. Hein, pour <laughs> euh, oui. Euh, ben, Justin, il faut se demander quand il pleure. Ah oui, l'autre Est Justin. Oui. <laughs> est-ce que euh, c'est naturel ou est-ce que c'est forcé euh, Ça aussi, c'est il y a un peu les deux, les deux écoles, il y en a qui disent ben, il a déjà été prof de théâtre, donc il sait comment. C'est seulement les acteurs qui ouais, sont capables ouais. de faire ça. Sinon, c'est difficile pour, euh, pour vous et moi d'avoir vraiment l'air malheureux si on ne l'est pas. Non, c'est ça. Il faut le ressentir, en effet. Ouais. Pour être convaincant, faut être ressenti. Quand on veut raconter un mensonge, généralement, les comédiens, par exemple, quand ils vont, doivent jouer une scène, ils doivent se remémorer quelque chose qu'ils ont réellement vécu. S'ils doivent jouer une scène, par exemple de tristesse, ils vont se rappeler un événement où ils ont eu énormément de peine. Ils vont replonger dans l'émotion parce qu'à ce moment-là, le corps s'en souvient et va le reproduire. Le cerveau fait pas la distinction entre le réel et l'imaginaire. Mm. Et à ce moment-là, ils peuvent le reproduire. Les bons menteurs, c'est ça qu'ils font. Ils vont chercher dans les souvenirs un événement qu'ils ont vraiment vécu. Mais là, tout d'un coup, c'est plus leur oncle qui est mort, c'est leur grand-mère. Et c'est pour ça qu'ils ont la. Ça, c'est le truc quand on fait des squelettes dans le placard. <laughs> Oui, moi, c'est toujours mon truc. Je me pointe tout le temps quelque chose qui ressemble à la vérité, mais je mets un petit mensonge là-dedans. C'est Comme ça, si on se mêle moins dans ces mensonges. Oui. Mais <laughs> c'est bien difficile d'être un bon menteur. Oui. C'est très difficile et on doit le faire seulement quand ça vaut vraiment la peine parce qu'il faut le préparer, il faut l'organiser. Oui. Et surtout, il faut être prêt à payer le prix parce que quelqu'un qui ment, et surtout quelqu'un qui ment bien, ah, ouais. quand il est démasqué, là, ça devient... C'est la pire catastrophe qui puisse arriver. On ça. a vu quelques cas. Euh, mais il y a eu des les... cas. Il euh, ben, on... y avait ouais. Giovanni Polo. Ce n'est pas un mensonge une fois qui ouais. a été... Mais c'est des... Euh, M. Bouguingo aussi. Oui, plus des dans gens le cas qui de qui François Bouguingo, sont... c'était un peu plus important. Oui, mais ils sont créés des personnages ouais. mmh. euh, qu'ils ont construits à travers des pieux mensonges, comme on fait. un certain nombre de contre-vérité ou de semi-vérité, de semi mais le jour où c'est dévoilé, à ce moment-là, vous avez beau avoir été bon, manseur, bon menteur, ça ne vous empêchera pas de vous effondrer. Non, non, tout à fait. Il y en a qui. On a vu des politiciens s'inventer des diplômes à Harvard. On a oui. vu toutes sortes de choses. On va voir ce que les auditeurs en pensent de ça. Est-ce que vous êtes capable de savoir si quelqu'un vous ment? Si vous avez des questions, bien sûr, pour nos spécialistes, vous pouvez les poser avec grand plaisir. 514-790-9850. Vous pouvez nous joindre sans frais partout au Québec. 1-866-790-9850. Comment savoir si quelqu'un nous ment? C'est pas toujours évident. Évidemment, on n'est pas tous synergologues, comme mon invité Annabelle Boyer, qui a, entre autres, écrit le livre Je lis en vous, savez-vous lire en moi. Bernard Motulski est un spécialiste de la communication marketing. Bonjour, France. Oui, bonjour. Euh, C'est ça. Moi, je voulais parler euh, de mon ex-copain. Euh, je réalisais pas qu'il me mentait au début, mais tout ce, que, tout, ce que je, tout ce que je disais, il disait exactement tout le temps la même chose que moi. Puis comme la madame a dit tantôt, quand il arrivait avec une autre personne, quand il est arrivé avec une autre personne, il avait exactement les mêmes goûts. Comme là, il, 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 il était avec une artiste, ben là, tout d'un coup, il, il, il avait un foulard dans le cou, etc. Quand c'était ah, moi, ben. Oui, c'est ça. Moi, c'était le yoga. Bon ben là, il faisait du yoga, il faisait du vélo, il faisait tout ça. Puis j'ai réalisé avec le temps que rien n'était vrai. Il disait qu'il avait voyagé en Asie parce que moi j'avais beaucoup voyagé en Asie. Finalement, lui euh, euh, c'était ça. Fait que moi, au début, j'ai fait comme je tombe en amour avec cette personne-là parce que mon je chantait qu'on avait vraiment plein de points en commun, mais finalement dans le fond, c'était <laughs> c'était vous, il vous renvoyait votre miroir. Il y a des gens qui ça c'est fascinant oui. ça. Ce que France nous raconte, c'est des gens qui finalement – Ou un déficit de personnalité. Ben, c'est quoi, ça. Bernard, d'après vous ?– Souvent, je pense que ce qu'on peut décoder, c'est... Un... – C'est un problème psychologique, une... sans doute. Ben, – mais... Une incapacité de se définir seul, ouais. de s'affirmer. – C'est ça. – Et ça aussi, ça peut conduire effectivement rapidement au mensonge. Parce que quand vous n'êtes pas sûr de ce que vous êtes, de ce que vous pensez, de ce que vous dites, ben, vous allez essayer de décoder, savoir qu'est-ce qu'il faudrait que je dise pour que ça plaise, pour que ça marche, pour pas que je sois puni. Et à ce moment-là, vous, euh, vous racontez une histoire. On voit que c'est souvent la source aussi de gros mensonges, parce qu'une mmh. fois que vous avez commencé, le, le, le chum là qui dit qu'il est allé en Asie, mais une fois qu'il a commencé, il va falloir qu'il trouve, qu'il s'invente un voyage. Et après, ben le, le mensonge se met à grossir et on n'arrive plus à s'en sortir. Ça finit souvent par une par une crise. C'est dangereux parce que des fois, il y a même des menteurs qui vont dire je connais telle personne. Moi, oui. ça m'est arrivé de rencontrer quelqu'un qui m'avait dit mais je connais un tel qui est un joueur de ski, euh, qui est un, un skieur, euh, un athlète euh, olympique connu et tout. Puis la journée où j'ai rencontré quelqu'un qui connaissait, puis que l'autre était là, puis ah oh, mais ben vous vous connaissez donc un peu oups là t'as mmh. juste envie de sortir de la pièce puis de oui. parce que ça devient trop gros donc certains mensonges peuvent être assez euh... ils peuvent aller très loin oui. en fait oui. et là ce que ce que France décrit on est vraiment dans le menteur syntonique donc un menteur qui va vraiment se mouler aux autres et ça a dû être pour France un choc quand elle a réalisé que c'était que c'était inventé de toute pièce parce qu'elle elle l'a probablement pas vu venir puis, ces menteurs là sont très à l'écoute de leur proie. Ils vont vous faire parler parce qu'ils ont besoin d'informations. Pour être capable de construire le mensonge, il faut qu'ils dé... il qu puissent avoir le plus d'informations possible pour être en mesure de créer leur propre histoire. Et ils vont essayer de trouver beaucoup de points communs avec votre histoire. Donc, ils vont vous faire parler. C'est inévitable. Mais ça, c'est tout inconscient. C'est en partie inconscient. Ça dépend des gens. Ça dépend du, ça dépend du niveau de narcissisme de l'individu. Mais ces menteurs-là, ce qui est particulier, c'est que ça va être des menteurs souvent qui vont être très toucheux. C'est difficile de mentir à distance. C'est difficile de mentir quand on est loin physiquement de ah, l'autre. Oui, oui. Donc ces menteurs-là, généralement, vont s'arranger pour vous toucher le poignet, vous toucher l'épaule, vous jouer dans les cheveux. Ils vont être beaucoup plus toucheux. Donc évidemment, ils vont venir rentrer dans votre bulle, ils vont le faire graduellement fait qu'évidemment c'est comme le principe de la grenouille dans l'eau chaude, ça se réchauffe tranquillement, fait que la grenouille se rend pas compte que l'eau est en train de bouillir, c'est le même principe. C'est pour ça qu'ils sont difficiles à déceler et eux vont vous regarder dans les yeux, puis vont avoir un regard doux, la tête penchée sur la gauche avec un petit sourire parce qu'en effet, ils essaient volontairement de créer un lien avec vous. Penché sur la gauche puis sur la droite, ça veut dire quoi dans, Sur la droite, ça serait le contrôle du discours. Ah bon, OK. Je suis un et peu à droite là. Faut qu'il faut réussir. <laughs> <laughs> c'est la droite là, mais... de qui là je Ça sais, dépend. Non, de la droite je, de qui je, je suis Un peu. Euh... Ouais, c'est pas politique du tout. Euh... Mais, mais c'est vrai que ouais, ouais. ça va être intéressant dans, dans ces cas-là, particulièrement d'observer les pieds et de poser des questions, parce que les gens pensent à leurs mains, pensent à leur visage, mais ne pensent pas à leurs pieds. Mm -hmm. Quand on pose une question à quelqu'un qui n'a a pas de vie puis qui essaie de s'en inventer une avec vous, quand il est debout, à ce moment-là, les pieds vont commencer à chanceler sur le côté, la cheville plie sur le côté justement parce qu'il n'est pas solide, il n'y a pas de fondation. Donc les pieds vont commencer à plier sur le côté, puis il va se mettre à se balancer, justement parce qu'il ne sait pas quoi répondre. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien de solide. Et les pieds, à ce moment-là, vont venir le témoigner. Les jambes vont s'en aller en dessous de la chaise, vont faire le tour des, 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 des pattes de chaise. Donc il va y avoir des signes où on a de l'ancrage mmh. parce qu'il est pas sûr de sa propre histoire. Quelque chose pareil. Elle ben, commencer à se tortiller sur sa oui. chaise. Ça, mais c'est parce qu'il y a le mensonge puis la nervosité. Oui. Hein? C'est oui, ces deux voisins qui sont. Quand vous parlez en public, tout le monde est nerveux de parler oui. en public. C'est la peur numéro un. Les gens là, on panique. C est, c est on panique tous dès ouais. qu'on doit, dès qu'on a dix personnes devant soi. Alors ouais. comment on fait pour essayer On va essayer d'aller les chercher pour réduire ouais. la pression. Ouais. Aller les chercher, c'est on va raconter une anecdote, ouais. qui va les toucher, ce qu'on qu qu va ouais. avoir préparé, et surtout on regarde, on, on guette où les gens regardent, si ouais. nous regardent. Quand ils arrêtent de nous regarder, ça veut dire là faut que je trouve une façon d'aller les rechercher, d'aller ouais, ouais. les intéresser on à a, nouveau. On a Yannick avec nous. Bonjour Yannick. Bonjour, bien. Oui, allez-y, on vous écoute. Écoutez, euh, naturellement, le sujet est très intéressant. Là. Euh, moi, ce que je fais pour savoir si quelqu'un ment ou ment pas, naturellement, comme on parle, il y a le, le langage corporel. Ouais. mais Absolument, quand je demande une réponse et puis automatiquement, la personne a un délai dans sa réponse, automatiquement, on peut voir qu'il y a quelque chose qui est pas. Euh, il y, a, il, y a quelque, il y a, un an, il y a, un sous roche, comme on veut dire, là. Mon ami qui a un délai, là, qui il cherche dans sa tête des réponses, là. Il y a quelque chose qui, qui, qui c'est pas clair. La réponse en vient pas automatique. Mm. Euh, souvent, c'est, un euh, signe qui peut avoir un mensonge, tout dépendant de quel genre de, de question aussi. Mais, euh, ça, c'est une bonne façon, là, de, de, vrai. De, de, de déceler, qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas, là. Uh... Bernard et, et Annabelle là-dessus. Eu... Ben oui, vous avez raison. Quelqu'un qui hésite, ça peut être parce qu'il il essaye de trouver ce qu'il va inventer. Mm -hmm. Mais quelqu'un qui n'hésite pas, ça peut être aussi quelqu'un qui est tellement bien préparé <laughs> que les réponses elles sortent comme ça. Mais ça ne veut pas dire qu'elles sont ouais. plus authentiques. Ouais. Si vous vous êtes préparé, vous savez ça, quoi dire. Ça, l'authenticité c'est une autre chose, c'est un autre niveau là, Oui, gens. mais ouais. euh, on fait souvent ça quand eh, on prépare ouais. les gens. On fait des questions-réponses. Hein. On travaille ouais, puis on ouais. dit ben, voici les questions les plus difficiles. Ouais. Comme ce serait quoi la réponse. Oui, Annabelle, rapidement, on a une détective privée qui nous appelle. – Je suis tout à fait d'accord, en effet, parce que les gens qui, ont, qui, ont des, qui sont de bons menteurs, les études ont démontré que comme ils sont de bons menteurs et que la réponse est déjà préparée, la réponse vient, en effet, beaucoup plus rapidement. Ah ouais. Alors que la personne qui ne s'attend pas à la question, elle doit structurer sa réponse pour que ça sorte correctement. Et dans ce temps-là, il peut y avoir un délai. Donc, ça dépend est-ce qu'on est avec un menteur qui est habitué de mentir ou est-ce qu'on est avec un menteur qui est au début de son mensonge. Ah – Oui, c'est ça. puis Il y a l'histoire de regarder encore. à droite, en haut à droite, en haut à gauche, ce, ce, ça nous indique quelque chose, ça, déjà? Oui, mais là, tu vois, les dernières études là-dessus sont, sont un peu ambivalentes. Donc, on sait, par contre, que les gens qui vivent, qui revivent la situation ont tendance davantage à regarder vers le bas, alors que quand on veut structurer, on a davantage à regarder vers le haut. Sauf que, est-ce que c'est à gauche? Est-ce que c'est à droite? On se rend compte qu'il y a certaines différences en fonction de la culture. Parce qu'on y voit entre autres, avec le sens de l'écriture. Donc, ça, il faut faire très, ah, très, très, très attention okay. là-dessus. Ceux qui écrivent de, de gauche à droite et de ceux droite qui écrivent gauche, de droite à gauche ne vont pas regarder. Okay. Fait que ça, il faut faire attention. On a Hélène avec nous qui est détective privée. Vous êtes, Hélène? Oui, bonjour. Bonjour. Donc, vous, euh, racontez-nous de quelle façon vous arrivez à déceler les menteurs. Bien, moi, disons que j'étais détective privée, mm -hmm. mais là, je suis à la retraite. Oui. Mais je l'ai fait pendant 38 ans parce que j'aimais ce travail-là par rapport à que je faisais d'exercice, en plus, je marchais à journée longue. Oui. Et que souvent, on arrêtait des gens pour vol ou autre délit. Et je devais passer à la cour à moyenne de trois fois par semaine. Mm -hmm. Et Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens qui regardaient à gauche, comme vous venez de parler, je vous le disais, là, il y a quelques secondes, euh, c'est que j'ai lu sur Internet plus tard, j'ai été faire des recherches, c'est des personnes qui regardent à gauche, ils semblent chercher le mensonge qu'ils ont dit ou pas dit, ils ne se souvenaient pas, et celui qui garde à droite, c'est euh, des personnes qui diraient la vérité. Ouais. Alors, j'ai mmh. été voir sur Internet, puis j'ai traité le sujet, j'ai regardé, j'ai lu, je me suis renseignée, et que... Puis donc pour en conclure, c'est que la mythomanie, c'est une maladie psychiatrique ah, non, est qui n'est un... pas il ouais. Alors, c'est pour ça que pour moi, quand je voulais savoir la vérité, mais je posais des questions aux personnes qui étaient interceptées, puis je leur demandais une question, puis j'avais une réponse. Un petit peu plus tard. Je revenais sur la même question, mais en d'autres termes. Alors là, je... La réponse n'était pas forcément la même. Là. Effectivement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Bon, Sur l'histoire de droite-gauche, je pense qu'on a dit que c'était peut-être plus ou moins... Oui, c'est euh... ça. faut, faut faire Ouf. un peu attention. C'est sûr que quand on est avec quelqu'un... Ah, rentrez pas ce soir en disant <laughs> à votre chum, « Hey, tu regardes la gauche, mon <laughs> maudit menteur! » <laughs> non, puis faut, faut faire là aussi. On a des billets d'interprétation, on ouais. en a tous. Il faut ouais. pas se demander qui a des billets d'interprétation, on en a tous. Et quand quelqu'un se fait arrêter et se fait interroger, il y a un billet d'autorité qui rentre en ligne de compte ouais. parce que là il y a un policier qui lui pose des questions. Et euh, si lui il a de la difficulté avec les policiers, bien, inévitablement on va voir des signes de malaise qui peuvent être interprétés comme des signes de mensonge. On a Luc très rapidement euh, avant qu'on termine ce sujet. Bonjour Luc. Oui, bonjour, Vous ancien vendeur bon? de voitures. Ah ah! <laughs> Êtes-vous <laughs> un bon venteur? Il <laughs> euh, ben, faut croire que je suis une bonne personne pour qualifier, parce que pour réussir justement à vendre, c'est ouais. justement de qualifier les clients, les faire parler, uh -huh. s'adapter à leurs besoins, puis leur présenter exactement leur vision Mais oui. euh, à travers ce que tu peux, euh, ce que, ce que, ce que tu as à leur proposer. Puis, effectivement, tu es obligé de mentir. Des fois, tu es obligé de dire que telle chose est bonne, telle couleur est belle, tel équipement est bon. Puis, ça, ça va avec ce que le client veut. Puis, c'est ça qui te fait vendre. C'est ouais. en, en racontant l'histoire que le client veut entendre. Oui, c'est sûr. On va, avoir, la qualification. Ouais, ouais, on va avoir l'exemple pendant le prochain mois. Je pense qu'on va entendre beaucoup de choses qu'on <laughs> qu oui, pense qu'on oui. qu <laughs> qu veut entendre. Merci beaucoup, Luc, de votre intervention. Merci, Bernard Motuski. Merci. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci beaucoup, Annabelle Boyer. Ça fait plaisir. On va surveiller les gestes de ceux qui nous promettent des belles choses au cours du prochain <laughs> mois. On va s'arrêter ici tout de suite après la pause. Je reçois celle qu'on a parfois appelée la Gwyneth Paltrow du Québec. Sainte-Renée va être avec nous. On va parler de détox gourmande. À tout de suite, tout le monde.